Eh ben non, ils ont sorti surprise, même si sous groupe Yoa t'es déjà gagné des signaux avant-coureurs, Michael Guillaumette, Michel Mion, Vénus Printemps, même si t'es gagné des signaux avant-coureur qui t'a laissé penser que yo t'a gagné sous peu pour prendre la rue, mais aux environs de 10-11 heures hier matin, yo démarré mouvement ça et là voilà, c'est en pile casse, yo parlé d'une douzaine de véhicules. Pour la plupart, pour ne pas dire presque totalement, et des services de l'État qui incendiaient complètement pour même revendication. C'est demandé 50 000 gouttes de salaire et puis 25 000 gouttes sur les cartes policiers. C'est revendication. Et puis, on banne l'autre qui greffe sur yo, mais c'est de ça yo qui principale revendication yo, c'est 50 000 gouttes de salaire et 25 000 gouttes sous petit carte. Alors, yo greffe mauvaises conditions de travail que nous connaissons déjà, c'est un discours récurrent. Yo parle tout de nouveau DG de la PNH là, qui t'a visité quelques unités, yo estime. Mais c'est menti, le vin bail, que le bras l'améliorer, condition, mais menti. Pas gen sa pièce dans l'agenda. Gen tout qui parlait le fait que monsieur font bon petit temps dehors, que le vinyle pas qu'on est réalité police là, et puis au propulsé dans tête institution ça, Bouchiko du Rosien Salio, David Lewato, Rose Myriam Joseph Raymondville, Wenialnio Jean-Baptiste. Oui, et Wenialnio, bah vous l'avez dit normal, Jean-Baptiste. Alors, c'est toute revendication ça vous mettez, monsieur 509 yo, qui pat vraiment gagne grande résistance. Et pour qui ça vous pat gagne résistance? C'est la grande question. Et Lovensky, je dis, ces questions ça a m'invité responsable policier et responsable l'État à poser tête yo. Est-ce que vous pat gagne résistance? Parce que yo te lourdement armé et que nèg yo pa vle a faire confrontation. Est-ce que yo pa jwenn résistance parce que mouvement te surprenne reste la police? Ou bien, ça fondamental là, est-ce que yo pa jwenn résistance parce que en pile policier en d'institution, pas dans Fantôme 509, mais yo pa et étranger à revendication yo. Yo pas fâché contre revendication yo parce que yo connaît si le fait, c'est pas pour fantôme la fait, c'est pour toute reste police là. Ça fait grand pile nan yo, même si yo pas qu'à un mouvement, et ben yo sympathisé avec de façon pario parce que reporter qui était dans la rue dit plusieurs côtés fantôme passé, les gain des patrouilles policières qui là, c'est salué yo. Ou bien gen ki croise bras, kite ou passe, c'est Pétionville. Non, nous comprenons Pétionville, dans son zone qui vient pratiquement stratégique, en raison de ce seul voie ça, qui mène vers Thomasin, Pèlerin, qui gagne, son l'autre catastrophe encore, jour où ça a bloqué, tout le monde en haut, ça a bloqué, faut rejoindre l'autre solution, mes amis, en route alternative, par qu'à gen zone, qui gon seul route qui mène à la donne, alors, zone ça vient stratégique là, t'es gagné bouche l'ouvrir avec le commissaire municipal responsable du commissariat de Pétionville et Paul Ménard. Alors, nous pas qu'on commence à finir. La police félicite que c'est lui qui a empêché fantôme monter dans zone résidence président Jovenel Moïse. Mais il y a de l'autre son cloche qui fait qu'on est que monsieur yo, il était un peu parlé et que si on te voulait passer, yo t'a passé. C'est pas Paul Ménard qui vraiment empêché yo. Donc, dans pile controverse autour de question ça. Mais toujours est-il, que nous parlons tout à l'heure, Paul Ménard pral récompensé par autorité hiérarchique pour ça y aurait lié un acte de bravoure, un acte de courage pour me répéter propre parole, nouveau DGAI et
PNH là, et qui c'est Léon Charles qui va le récompenser, le mettre, le promu non seulement commissaire divisionnaire, mais tout mettre dans la tête DDO, qui c'est direction départementale de l'Ouest de la police nationale d'Haïti. Alors, c'est vrai, c'est une belle promotion, mais si c'est lui qui a empêché que les policiers ont monté, qui garantit ou bien l'autre commissaire qu'on va le mettre dans la tête Pétionville, là, qu'on y a la voie empêcher les policiers. Au monté et pèlerin les ouvriers allez voilà sans pile question en tout cas et c'est vrai que n'après le ouais hier soir hier après-midi hier soir que autorité dans police là notamment premier ministre là pral utiliser des mots forts vraiment des mots forts qu'elle était déjà utilisé contre la police et qui te gagne des conséquences vraiment très graves après nous songer ça après bande parole terroriste ça a été fini parler que policier était entré en d'un ministère de la justice te fait tout dégât non songé yo te utilise un pick-up pour te défoncer barrière ministère de la justice et là en pile véhicule de l'état à l'intérieur même sur la cour même du ministère de la justice à l'aide incendié, c'est des paroles qui étaient exagérées par rapport à la gravité qui était utilisée. Alors là, hier, les nappes d'intervention et Premier ministre Joseph Jout, ces mêmes paroles ronflant ça, qui utilisaient encore pour dénoncer comportement, yo, parler de bandits, des hors la loi, des terroristes. Qui vient si met la terreur dans la ville, il n'y a pas qu'à accepter la situation si là, et que route bandit, c'est derrière les barreaux, que ou avec uniforme, qu'ou sans uniforme, c'était déclaration Premier ministre Joseph Jout, nouveau DGPNH là, t'es allé très fort ou lui-même pour les accuser de tous les mots. Il dit dans un tas bail chef et primature garantit que l'ordre va être établi, que le peuple a toléré bagay si la sa yo, et il parlait de quantité l'année que la police gagne li existait, le peuple a quitté bandit vin craser la police. Donc c'était des déclarations extrêmement fort des autorités. Nous pas un problème, Lovensky, et c'est vrai, Aksayo, c'est des actes qui condamnables, mais la grande question que l'on se pose, est-ce que autorité politique yo gen moyen de politique yo? Est-ce que ça y a dit yo, c'est de bagay yo ka fè yo suivi des faits? Est-ce que yo font évaluation de situation, hein? Parce que leur responsable, c'est ça, ou fait, oui, avant, on fait gros déclaration, c'est évaluer les forces en présence, m'obliger de dire les forces en présence, c'est pour regarder à l'intérieur de la police, est-ce que Fantôme 509 complètement isolé, est-ce que autant dizaine ou quinzaine de monde qui agit un coup de hors la loi, et que reste police là, lui-même, lui pas dans cause là tout. C'est question ça vous proposer. Mais si ou t'as remarqué en tant que responsable, il y a un pile sympathisant, un pile policier en d'institution hein, qui pas dans mouvement mais qui sympathisait avec la grande question. Parce que pour mater mouvement, faut gagner moun sa yo avou, c'est pas premier ministre là qui parle prend revolver parle camp en face fantôme dans la rue là, c'est pas Léon Charles non plus. Faut connaître d'ailleurs Léon Charles doit connaître est-ce que li gen contrôle total de la police et en tout cas de salarié les majorité là et puis le ça déclaration yo a correct parce que quand même c'est des ordres que yo relé des ordres mais avant ou fait déclaration. D'ailleurs, l'on est chef. C'est pas gros parole ou vin dit. L'on est chef, c'est à jouer, agir. Sou capable de suspendre mouvement, la presse a constaté. C'est pas gros déclaration qui pral suspendre, parce que déclaration, ça a ou même sot fait rappel pour. Premier ministre l'a été traité au terroriste déjà. Et nous, ouais, ça pral vin passe après. Yon rentré dans zone, parce qu'on connaît Avenue Charles Sommer, son zone que Premier ministre l'a lui-même te déclaré zone stérile, côté qui pas même gen manifestation.
Et c'est ça que c'était fait. Nous avons même deux sittings, nous pas complices, et nous pas dormi, excusez-moi, deux sittings, nous pas dormi. La police était réprimée avec violence même. Et pour le ministre, là, pour justifier ça, il était dit son zone stérile. Mais pourtant, hier, les nègres fantômes 509, ils ont passé dans la zone, là. Bon, pas de machine service de l'État de Yoa, zone ça, pas de dégâts qui étaient faits, mais c'est pas résistant. Ni opposition, ni rien qui fait des autres pas de fête dans toute zone ça. Donc c'est comme ça, nous pas de problème, nous, au contraire, nous remet les autorités après ramasser quand son yo, Marie Saint-Yo dans taille pour yo dire yo pral bay sécurité dans la ville, c'est ça besoin. Mais discours ça yo, premier ministre Jout, Léon Chalou pat là, mais nous tendez yo, yo récurrent, yo vini à chaque fois fin gen des autres là, mais c'était toujours après. Alors, Monsieur Fantomio, même si on dit c'est baron, c'est baïoye, etc., mais il n'a pas agi en météore vraiment. Puisque le mouvement, Lovensky ou d'accord avec lui, qu'il dirait plus que 2 à 3 heures de temps. Ça veut dire, tout le monde a annoncé, nous avons assez de temps pour nous devenir contre-carré, nous avons arrivé, nous avons fait déclaration finale, nous avons rentré dans la base, donc nous comprenons. Et puis, on l'autre réalité pour nous scène et tout. Même si M. Yo en cagoulé, même si yo bandé visage yo gen nan yo ki même changé voix yo pou yo ba interview, mais pas ba tête ou menti. Unité côté yo appartenir yo, presque tout policier yo konn ki yes yo. Ça veut dire si yo pas sympathiser avec yo tap ba non tout et yo tout tap getan sous sanction. La preuve est bien simple, par exemple hier ou après gen nan pile unité dans la police là. Yo pa vin travay parce yo nan la rue a fè mouvement. Alors, police pareil yo ki konnen yo pa vin travay. Yo pa konn sa yo pa konn ki moun yo kote yo. Yo konnen si yo pa dénoncer le bay responsable yo, c'est parce que yo vle di yo même yo te kala tout, yo pa la mais ça pa vle di yo contre mouvement k'ap mené. Alors c'est évaluation ça que nouvelle direction police la doit faire, c'est évaluation ça que autorité politique CSPN doit faire avant la faire déclaration en veux-tu en voilà qui pas camper sous rien qui pral gain conséquence seulement lever plume sous deux fantômes ou pas connait qui l'est encore d'ailleurs moi au sorti note mais comme c'est pas des notes qui portait non nous même dans la presse nous pas gain droit relayer mais c'est certain yo sur tous les réseaux sociaux yo il a annoncé que il a pral sorti depuis revendication yo pas satisfait parole premier ministre parole bagay d'ailleurs société a connaît li habitué avec parole si la yo Léon Charles qui paraît comme quoi c'est dans très longtemps tout c'est un claqué doit tout tout bagay pral résoudre la vérité elle n'est pas comme ça et vous le savez très bien. Alors reste justement suite à question si la yo, la police pour une série de dispositions, nous t'ai déjà dit, alors par disposition, nous t'a dit des changements qui opéraient en dedans et dans le commandement police là, nous t'ai déjà parlé de Paul Ménard. Paul Ménard qui promet au grade de commissaire divisionnaire, il était commissaire municipal, Pétionville, il est commissaire divisionnaire, et en plus de ça, il est hérité d'un bel poste, gros poste, DDO, directeur départemental de l'Ouest de la police, et là, ça veut dire, et d'ailleurs, Léon Charles dit, dans l'intervention de l'IDIL, lui récompensé pour acte de courage et de bravoure qu'elle t'a fait preuve hier face à Fantôme 509 dans zone bon commissariat. Là, t'es empêché que t'es monté zone pèlerin. Menegio, oui, commissaire principal, principal. Merci Lovensky, c'est pas municipal, c'est principal qu'elle t'ait eu, Livine Monté, commissaire divisionnaire. Oui. Alors, gagnez des dispositions qui prend, commandant en chef là, et en consultation avec le premier ministre Joseph Jout, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, il fait changement ça, des changements d'ordre stratégique, qui dit, au niveau de la chaîne de commandement de la PNH. Ainsi, l'inspecteur général Franz Jean-François
est nouvellement désigné au poste d'inspecteur général en chef en remplacement de l'inspecteur général Hervé Julien. Hervé Julien, t'es une rumeur depuis longtemps comme quoi on t'apprend le changer et ça arrive et fait. Commissaire divisionnaire Marc Justin remplace l'inspecteur général Berson Soljou à la direction centrale de la police administrative DCPA. Le commissaire divisionnaire Pierre-Louis Alex est muté à la direction centrale de la police administrative à titre d'adjoint. L'inspecteur général Jean-Marie Wagnac, ex-commandant de l'unité garde-côte, devient le nouveau directeur central de l'administration et des services généraux de la PNH. Son prédécesseur, l'inspecteur général Jean-Yves Muscadin, est muté à l'Académie nationale de police. La direction des renseignements généraux est confié à l'inspecteur général Carl-Henri Boucher, qui s'assurera également de la coordination entre les directions départementales de la police nationale d'Haïti. Le commissaire principal, Paul Ménard, est promu au grade de commissaire divisionnaire CD et devient à ce titre le nouveau directeur départemental de l'Ouest. Ces changements d'ordre stratégique sont effectués dans le cadre de la redynamisation du haut commandement sous le leadership du commandant en chef, Léon Charles, qui s'engage à mettre tout en œuvre en vue de favoriser un climat sécuritaire dans le pays. C'est ça, Yodi. Alors, donc, à la suite de mouvement hier, là, changement Sayo, intervenu au sein de la PNH pour, Yodi, redynamiser parce que, apparemment, yo pas satisfait de résultats qui baillent, mais ça m'a dit, c'est que, faut yo comprendre, et pas gagner son l'État en débandade nous gagne, c'est l'État ça même qui contribue pour le mettre police là en lambeau. Pas oublier, premier monde qui commençait par romantir, c'est président Jovenel Moïse lui-même. Nous songeons, cette vidéo, ça, Lorenzki jeudi, côté le talent commissariat Carrefour, il prend pour saisir, l'étonner, le mettre des mains en tête. C'est TV20 pour être par le président, il a regardé dans quelles conditions policiers ont dormi dans le toyau. Il dit, ça pas possible. Et c'est comme si on dirait que dans demain, conditions pour aller changer. Bon, c'est kounye a, policiers ont vivre dans mauvaises conditions. Leur a gardé toilettes dans commissariat, son bagage exécrable. C'est pas bagage. C'est bagage pour vomir sous rentrer la donne. Leur a gardé côté au dormi, matelas chiré, pas un matelas, c'est sous tiseux, petit cabane en fer. Donc, c'est pas des bagages qui vraiment. Alors, premier ministre, pendant la journée, fantôme 509, là, l'itouye a dit, il reconnaît que existe Jean Sioa, yo légitime, il reconnaît sa demande yo légitime, mais il dit c'est ticras pas ticras pour yo satisfaire parce que bagay yo difficile et pour on s'est de l'autre côté tout le parler de médecins yo qui dans mauvaises conditions, les infirmières lui disait c'est pays a des problèmes le gouvernement pouvoir pas qu'au cas satisfait yo. Et alors voilà, mais quand même lui traiter monsieur yo de terroriste, le mot est vraiment très fort. Lovensky n'a pour une petite parenthèse tout petit sous des bavures, pensez que policiers yo nous avons suffisamment de bagailles passées devant nous pour nous pas faire une série d'erreurs, moi on a fait, qui portait atteinte à la vie de chrétien vivant. Ouais, la vie, Lovensky, son bagaille qui sacré, c'est bon Dieu qui baille la vie, c'est lui-même qui pourrait tirer. Zam policier a gagné maintenant, moi, quoi, ou apprenne ça à l'académie, dans l'école police à frère, son zam pour utiliser vraiment au dernier recours. Les pagans yen qu'on a fait encore avec Paolo, avec peut-être l'autre bagarou gen en même. Et même l'on a pu utiliser le dernier recours, gen deux zones qui passent trop sensibles.
dans le monde, qu'on a plus ou moins sous-senti que la vie a menacé, ou qu'on a peut-être un balle dans le pied pour déstabiliser l'autre côté, pas dans l'organe vital, pour pas bagaille. Mais c'est de temps en temps, par exemple, hier, on a regardé des rames, un chauffeur, dans Delma 33, que un policier, tout simplement parce qu'il dit le frapper machine, nous le dégainer. Il dégainer, il tirer chauffeur. Je crois que malgré le courant avec l'hôpital La Paix, monsieur mourit quand même. Ça, c'est des actes, nous pas qu'à comprendre. Et de temps en temps, et, au lieu pour, Joseph Joubada a annoncé une série de bagages qu'il n'a pas qu'à faire, plutôt il fait évaluation psychologique et psychique policière de temps en temps pour qu'on ait dans qui condition mon yo. Et bien, ça arrive et tout. C'est les policiers énervés tout. C'est énervé, l'énervé, le plus souvent. Parce que condition yo pas bon li gon moi kay ka privé on ferme que le pas ka payer et ti moun pral l'école pa gen kòb y a voye tourner pour les problèmes c'est trop problèmes qui nan tête les pile bon zam des fois réagir instinctivement tout ça yo besoin on encadrement même si nous pa ka bay policier tout ça yo besoin mais au besoin encadrement psychologique faut gen des psychologues de temps en temps que l'el senti gen des troubles ça qui pour recevoir ou parler avec ou mettre ou non en situation de confiance bon même pas spécialiste dans ça mais dire que situation gagne droit passagère ou gagne droit désespéré et puis voilà on bagaille pour changer vie parce que ka pas ka rit comme ça c'est toute bagaille aux policiers parce que nous pas ka comprendre un monde sain d'esprit Lovens qui sain d'esprit ka levo ralon revolver son chauffeur ou dit chauffeur a été derrière volant camionnette lui avait dit il pas représenter quel danger du tout pour policier et pour aller revolver tirer nek ça avant jugement son évaluation pour connait est-ce que le saint d'esprit vrai est-ce que il est en pleine possession de ses facultés mentales est-ce que si tu gain en situation de démence est-ce que tu doit même dans la rue examen men c'est toute bagaille ça pour faire notre société pour nous empêcher parce que Jean mourir là il te gain droit c'est moins que d'un volant c'est tiré que droit c'est l'homme qui gain droit c'est n'importe qui monde avait dit la vie monde pas veut dire rien ici faut nous commencer à analyser situation ça yo monde pas cap perdre la vie dans condition ça surtout y a dit chauffeur a quitté petit monde en bas âge responsable responsabilité drame ça yo traverser nous dans toutes entrailles nous les nous tendez que y a privé donc la police n'a supporté un mouvement de revendication sans violence évidemment sans violence et même machine l'état qui a brûlé yo ça ont été traumatisé parce que quand même si l'état a changé demain c'est taxe nous que on va l'acheter l'autre machine. Mais j'en tape deal avec Pierre Espérancière, qui était condamné et incendie véhicule. Moi, dit malheureusement, forme l'État nous gagne, hein? Si c'est pas violence, mon fait, ou pas tendez ou. Yo pas tendez ou, c'est comme ça, on dirait c'est l'État qui encourage la violence, parce que l'on pas fait, yo pas tendez ou. C'est dommage, c'est forme société, ça, que nous gagnons dans le pays. Alors, n'a toujours été dans PNH puisque 18 novembre qui s'est passé là, t'es gagné. Il y a une manifestation moi-même m'a été fait passer que m'était ouais qu'a déroulé qui t'est commencé dans le calme avec en pile monde parce que j'aime t'ai ouais manifestation ça a démarré et sous bon kawash Carrefour aéroport qui ont baptisé Carrefour résistance là qui t'a monté d'Elma si manifestation ça a une chance fait parcours li c'était pral vraiment une méga manifestation en pile moun t'es gen tan démarré avec et gen tap tan nan plusieurs autres points encore la police au niveau de Delma 48 crasé manifestation nous pas vraiment connaît qui raison qui fait que n'importe qui incident et puis la police c'est si men gaz ça n'a pas besoin qu'on qui moun sous qui moun est-ce que y a des moun qui ka recevoir gaz si men bal donc manifestation en gaillé et ça qui grave chaque tentative pour reprendre manifestation
la police tue dans l'œuf. Et ces informations sont zoritaines, on pick up zoritaines, sans plaque, qui évidemment un policier la donne, qui était sorti depuis Carrefour, aéroport. C'est lui-même qui vivait dans Delma 48, qui tombait tiré. Vous y gaz, et vous connaissez depuis une situation ça, foule là en colère, yo mettez du feu dans machine police et son ouais manifestation crasé presque dit dans l'œuf, puisqu'on manifestation qui sorti dans Carrefour aéroport rivé là Delma 48 qui est crasé, ça veut dire mon yo pas même gain chance pour faire démonstration de force yo, pour l'homme dit démonstration de force dans le bon sens pour prouver en quantité comment y a une réprobation générale par rapport à toute situation inacceptable que nous vivons dans la société, à savoir l'insécurité, kidnapping. Vous parlez de deux ingénieurs qui ont kidnappé sous chantier au Delma 75. Ils ont en pile trois jeunes filles, ils ont kidnappé en pile situation de violence à fait sous société ça. Et longtemps kidnapping n'a été concerné. On t'a dit mon affaire bon mon en au lieu yo kounya c'est mezi l'argent mezi wanga ou te mettre c'est bac fritaille pour gagner et qui cap rapporte peut-être on 500 600 dollars non soirée yo ka kidnappé ou pour y mande 20 000 dollars haïtien etc. Mezi l'argent mezi wanga ba la vin systématique li vin entrer en dedans dans l'imaginaire collectif li vin dans société. Et c'est ça qui fait qu'il y a des groupes d'organisation de la société civile qui fait des mouvements de protestation. Moi, j'aime le slogan. Il dit que c'est soit ou sortir dans la rue pour dénoncer la situation, ça, ou bien ou commencer depuis aujourd'hui, quand on attend des gens là, à mettre un petit cop sous côté pour préparer un rançon qu'on n'a pas jamais réussi à gagner dans la vie. Parce que cop, des fois, il y a un cop, c'est cop qu'on ne peut pas jamais gagner dans la vie. Que y a mando et les négazou ou bien li pa gen côté pour le mettre moun nan et li gen tan fait trop temps nan men dégagène a c'est moi même longtemps des bagages sont ces entrailles ouais moun nan kidnappé a c'est ou même que ou cap recevoir coup de fil pour rançon pour bay rançon ou pi traumatisé toujours que moun nan parce que l'op gardé devant ou impuissant face à une situation risque moun nan mouri c'est ou pour te dégager ou sembler l'argent marché prêté pour albay et puis ou est ça pas ta fête comme sous senti conscience ou ap reproche ou vin pi traumatisé pi victime que victime nan même que ou enlevé a c'est ça société a et c'est ça la police doit comprendre que les moun yo sorti pour manifester ces situations pa yo les m'ap gade en valeur absolue ça veut dire quantité policier qui mouri par rapport à effectif la police là même envie dit gen plus policier qui mouri que population civile là donc yo même encore mouvement de protestation ça c'est pour nous encore pour la vie changer pour conditions changer pour nous pas vivre à l'état bestial tant que gens n'a vivre dans société malheureusement la police pas jamais comprendre ça l'équité yon ti frange qui comprennent que au cas quitter Jovenel Moïse transformer police là en police politique à faire manifestation son bagaille qui interdit. Alors il faut dire que dans le même temps, il y a une petite Dessaline qui te font mouvement de protestation tout, mais lui-même, Woutley, c'est littéral devant ambassade américaine. Il est vrai que il y a un débat pour savoir est-ce que c'est appel reste leader opposition qui regroupe ensemble et au sein de la direction politique de l'opposition que Mounio pral suivre pour faire direction palais ou bien c'est Moïse Jean-Charles. Il est vrai que t'es annoncé par là avant, faut nous dire ça, qui t'es annoncé par là avant, mais Moïse Jean-Charles qui t'a le pont rouge à l'hisser de la peau noire et rouge, ce que en pile moun pas comprendre parce que zone Zayo, c'est des zones de non-droit. Moi-même, pour mon être avant, moi passé tout côté, mais c'est tout toujours avec vitesse. Mais Moïse Jean-Charles, t'es, par contre, si c'est brave, li brave, ou bien si c'est mot, monsieur Olguin, qui fait qu'il était à l'aise à monter de la pôle et le démarrer là, pour aller ni devant l'ambassade américaine. Mais, en nous honnête, pour nous dire, c'est un petit point, monde, pas de grand pile, monde, du tout,
qui te fait parcours ça avec Moïse Jean-Charles. Et le, bon, il est vrai, tu as rencontré un pile obstacle sous route et tout, et puisque où qu'on est devant l'ambassade américaine, son zone tout, et qui paraît stérile, et bien c'est deux, trois graines moun qui t'est arrivé accompagner leader Petite Dessalines devant l'ambassade américaine, quand elle t'est réussi délivrer message li. Le message, moi, qui fait plus la une et non, et actualité, a, c'est qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, c'est côté le mandé des journalistes, nous trois, avec un responsable média, très connu, surtout, où Nicolas nous salue pour sens d'engagement, sens de responsabilité. Chaque lemme une occasion pour me dire, l'aime toujours dit li, pense M. Sonnet, qui est très courageux, qui expose yon radio parce que le croit que c'est qu'on s'en a aidé peuple là pour lui faire bon chemin et dénoncer irresponsabilité qui est dans la société, à dénoncer dérive. Alors, Rony, chapeau pour vous, et c'est ça que fait pas comprendre que Moïse Jean-Charles mandé nous trois ça avec Morin pour nous ressaisir et Moulovenski remet, ressaisir nous, venir jouer camp peuple là. Alors ça, t'es passé mal parce que pas besoin de parler pour traitement, même temps dans pile monde qui dit si m'pas dans camp peuple là côté meilleur. Mais j'en t'ai expliqué en deux fois pendant ce maintenant, nous pas pral rentrer dans tac au tac avec leader Petite Dessalines là. Nous voulons croire que le pas de mauvaise foi, peut-être qu'il a été mal conseillé de le dire. Et bon, puis t'as dit pour moi, pour Morel, pas dit pour Nicolas, puisque moi connais engagement où on y prend bon côté et Moïse, et surtout que le bon journaliste vedette dans la radio là, Mirai, Jean Mianto, qui s'est allié Moïse. Donc, nous ne pas comprendre déclaration. Ça, regardez là, l'idée pour nous un petit moment d'égarement, c'est peut-être ça qui passe, mais rien, nous ne pas rien contre lui, nous sommes journalistes, nous pas compétiteurs, pièce moun sous scène, d'ailleurs, nous t'expliquons pendant ce maintenant tout, nous pas jamais candidat dans qu'une élection, en tout cas, ça va dans projet ni dans intention, donc nous pas jamais face moun, puisque nous là pour nous observer. Et me dit le tout, Lovensky, jour nous gagne des dirigeants sérieux, responsables, honnêtes, qui pas dans corruption, qui pas pour encourager gang, tant que Jovenel Moïse Apfel, qui pas dans tête langue à gang, qui pas dans vos valises, l'argent by gang, et mais ouais, pour nous remplir, ou le journaliste nous, à 100%, ça veut dire, nous pas gagner de militance, parce que des fois nous reconnaître, nous pas oublier d'il, nous reconnaître que des fois nous contingent aller à l'excès, puisque nous prenons position publiquement contre tête calée, ça qui arrive que le gouvernement sain, un gouvernement sain, excusez-moi, nos élections saines qui réalisées libre, crédible, honnête, côté c'est pas mille goudes, côté c'est pas vieux slogan, nek banane, nek patate, nek mayon, qui met moun sous pouvoir, côté nous pas gon vieux oligarchie malpropre, qui besoin fait cobli dans contrebande qu'après financer des candidats sans relief et puis mettre en situation côté où vienne paraître dans leader bridge sous coup ça aurait les opérations graines sec avec une publicité politique subliminale pour monter moun sa yo dans une dimension que yo pas caillé et puis mettre au chef et puis chef ça pas ka durer 2 semaines, 3 semaines moun prend la rue commencer prend balle mourir et puis c'est même yo même qui a fait massacre ici massacre l'autre bon massacre la Saline et mais le ça ou après Jean Bonnat son journaliste totalement indépendant neutre laisse ça n'a pas fait travail nous mais journée aujourd'hui a moins dit a fait journaliste neutre froid des informations ou pas capable société a pas permettre tout ça ou pas vivre aux États-Unis ou au Canada non côté et côté autorité ou déjà respecter moun j'ai autorité ou est là yo montre que nation yo en face li yo en face li même si a fait belle déclaration mais yo en face yo en face nation alors laisse ça ou obligé vinn tant qu'un journaliste militant. Comprendre, et Moïse Jean-Charles, donc c'est ça qui fait que nous avons un petit engagement, que nous prenons un petit peu plus que métier. Mais
quitter situation retournement normal moi m'en vie fonctionner pour m'a parler de la nature pour m'a parler de l'environnement c'est pas ça moi même c'est l'agriculture c'est pas l'élevage d'ailleurs même dans niveau micro c'est yo me fait pour vite pam c'est là dans on prend plaisir le week-end c'est dans jardin moi même aller c'est pour moi même m'aime ça m'en vie parler toute la journée sans pas obligé nan di men nèg ap financer gang men nou obligé fèl nou pa ka livrer terrain bay bandi ki accepté pour réduire nos états et vraiment médiéval nou pa ka la donne donc c'est ça qui fait que nous paraît ton tijan un petit peu zélé faut nous dire mais à part ça c'est pas volonté à nous gagner c'est pas ça que nous envie fait donc manifestation à la police réprimer la police craser sans raison valable et me connaît monsieur c'est professionnel lié si vous voulez même si t'es un petit dérapage dans manifestation pour contrôler il y a contrôler sans c'est pas et gaz lacrymogène toute la journée pour n'a ciment sans c'est pas d'ailleurs manifestation ouais sénateur Yuri la tortue dit il y a militant qui mourit qui blessé son bagage inacceptable mais ça qui prend encore pire révoltant encore c'est dans le lendemain Lubenski les nouait que directeur police là directeur AIA sorti une note pour féliciter comportement professionnel la police. Nous dit Léon Charles, ou mal commencé, frère. Ou mal commencé, ou pas qu'à nan propagande si la yo. Au contraire, me penser, ça passe à ces dispositions de deux princes, fait inspection générale prêt pour le demander. Pour qui ça t'est obligé à un dérapage pour craser une manifestation qui était très pacifique. Tout le monde dénonce, on a regardé les réactions et Pierre Espérance qui était dans des hier, qui dit que la police très mal commencé sous Léon Charles. On a regardé Gagnon et René Antoine Lerbeau, même si on n'a pas notre accompagnement qu'on a salué. On a regardé André Michel qui carrément dit Léon Charles c'est un tensionnaire. Lydie Lel prend lecture, notre félicitation directeur général. De facto PNH là, Léon Charles, adressé aux policiers et aux policières suite à la journée de mobilisation nationale du 18 novembre 2020. Dans cette note, M. Léon Charles a tenu à féliciter les policiers et policières qui ont fait preuve de professionnalisme dans la gestion de la journée du 18 novembre 2020. Ce n'est pas sérieux. À Port-au-Prince, par exemple, la presse a constaté la brutalité avec laquelle la police nationale a dispersé la manifestation de l'opposition plurielle à hauteur de Delma 48, alors qu'elle s'est déroulée qu'elle se déroulait dans l'ordre et la discipline. La presse locale et internationale le reconnaît et sous ça nous d'accord avec André, puisque nous avons regardé un tweet de Amélie Baron et de RFI qui dit justement que son manifestation qui était très calme, que la police crasée. Toutes les tentatives de remobilisation de la manifestation ont été sévèrement réprimées. Je rappelle que la PNH a été régulièrement notifiée de l'organisation de cette manifestation. Le bilan est lourd, des blessés, deux morts, une vingtaine d'arrestations. Mais bon Dieu, comment un directeur général de la PNH, tenu de respecter les droits humains, peut-il prendre la liberté de féliciter des policiers qui ont battu et assassiné des citoyens à l'occasion d'une manifestation pacifique. En principe, Léon Charles aurait dû demander à l'inspection générale de la PNH d'ouvrir une enquête administrative pour déterminer la sanction disciplinaire à prendre contre les policiers coupables de violation de droits humains. Léon Charles assume donc les actes de violation de droits humains commis à Port-au-Prince dans les villes de province par des agents de l'ordre qui étaient en service. Nous sommes à moins de 78 jours de la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. Jouette la prale bossale, j'appelle celles et ceux qui sont véritablement dans l'opposition à assumer leur responsabilité politique face à la répression d'État aujourd'hui clairement assumée.
si nous ne pas rentrer dans le gendarme, nous devons changer de stratégie de combat. Il faut trouver la bonne pédagogie pour impliquer la population dans ce changement de stratégie. L'opposition doit être plus combative, plus agressive. Peuple-là, pas qu'à compter cadavre tout le temps. Peuple-là, pas qu'à compter blessé tout le temps. André Michel, avocat, porte-parole du secteur démocratique et populaire. Alors, sous même question, journée de manifestation, ça, dans les rues de Port-au-Prince, côté non-dil, non pas d'accord, avec communiqué et Léon Charla qui parlait de professionnalisme que Mouniote fait preuve, gagnant et l'autre lecture, par exemple, Fondation J'éclairé qui fait yon analyse de situation qui font bilan de journée en tout et dans un communiqué, il dit la journée du 18 novembre 2020 est marquée dans plusieurs villes du pays par des manifestations contre l'insécurité grandissante et le pouvoir en place. Fondation a noté que ce mouvement de protestation a touché de nombreuses communes du pays, Cap-Haïtien, Gonaïves, Lester, Saint-Marc, Delma, Taba, Port-au-Prince, Caille, Jérémie, Mirambalais, Jacmel. Le problème d'insécurité atteint donc l'ensemble du territoire national et les revendications du peuple haïtien contre le pouvoir gagnent du terrain. La FJKL constate que dans la région métropolitaine, la police nationale d'Haïti a fait preuve d'un manque de professionnalisme criant. La PNH a fait un usage abusif de la force à titre d'exemple. Au carrefour Alixoua, des manifestants ont commencé à se réunir de manière pacifique au carrefour quand la police est intervenue brutalement en faisant un usage abusif de gaz lacrymogène pour les disperser. Des résidents de la zone ont beaucoup souffert de cet usage abusif et injustifié de gaz lacrymogène par la police. Cette façon d'agir est utilisée par la police dans plusieurs autres zones de la région métropolitaine. Anelma 48, par l'usage abusif de gaz lacrymogène et de base réelle, la police a mis fin à prématurer à la manifestation, soulevant de ce fait la colère des manifestants. Il s'en est suivi l'incendie d'un véhicule de police immatriculé au numéro 1-3099-00-93, posté à Delma 69, et une tentative d'incendie d'une station d'essence à Delma 63. En outre, plusieurs véhicules ont eu leurs vitres brisées. Au Champ de Mars, dans la zone siège du palais présidentiel, la police a établi un périmètre de sécurité et s'est livrée à un usage abusif de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc et de balles réelles, faisant un mort par balle et des blessés, dont 5 blessés graves. Alors, on dit que manifestants ont été joints dans l'autre cadavre encore. Un backup de la brigade d'opération et de maintien départemental, Boyd, a heurté violemment et volontairement deux manifestants se trouvant sur une motocyclette. Bagay sa a été fait civil. Josnel, président syndicat moto, relé en moué. Cette tentative d'assassinat n'a fait l'objet d'aucune réaction immédiate de la part des responsables de la police. En réaction, les manifestants ont tiré des pierres à l'endroit des policiers, faisant deux blessés au niveau des forces de l'ordre. Le bilan de la journée de la manifestation en termes de ratio de blessés au niveau des membres des forces de l'ordre et des manifestants est concluant. La police ne considère plus le droit de manifester comme un droit démocratique, ça on met dit le fort. Elle prend position pour le pouvoir politique, on met dit le photo. Elle est donc politisée et n'agit pas comme un corps professionnel chargé de garantir l'exercice des droits démocratiques. Donc, bilan de la journée au niveau de la zone métropolitaine, au niveau des forces de l'ordre, deux agents et du CIMO blessés, au niveau des manifestants,
un mort, Mackenson Duvivier, tué d'une balle à la tête dans la zone de Champ-Mars, blessé, 8 blessés par balle, soigné à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, Mabdou, que responsable qui était convoqué manifestation parlait de 2 morts. Ce bilan ne tient pas compte des cas de blessés par balle en caoutchouc qui ne se sont pas fait soigner dans les hôpitaux visités par la Fondation après la manifestation. Liste des blessés par balle, Jacques Jean Rouni, 26 ans, Léger Gisma, 37 ans, touché au dos, Mackenzie Vilsier, 26 ans, Ronald Saint-Jean, le sénateur Latour, tu t'es parlé de lui, Jonet Duval, Gentilus Claude, Pierre Denise, Val Bichara, 21 ans, touché à la chambouse, et pour les personnes arrêté au niveau du commissariat de Port-au-Prince, 6 personnes. Mounio Seben, Son Charlot, Pierre Jolès, Joseph David, Andy Espérance, Pierre Watson, Duvens Maxime, et puis dans le niveau d'Elma 33, il y a 3 personnes qui ont arrêté. C'est Louis Wacton, Jean-Élie Douillard, Leblanc Nesli, ils ont accusé de troubles à l'ordre public. Fondation 1, demandé nouveau directeur général à E-Police, Léon Charles, pour l'identifier et renvoyer à la justice répressive les policiers coupables d'abus, d'usage abusif de la force, notamment le chauffeur du véhicule de la brigade d'opération et de maintien départemental Boyd, qui était frappé de monde qui était sous motocyclette. Identifier également l'auteur de l'assassinat de Mackenson Duvivier, d'empêcher la politisation de la police et de travailler plutôt à sa professionnalisation. Ce que le peuple haïtien attend du nouveau directeur général de la PNH, c'est la mobilisation de la police pour lutter contre les gangs, les kidnappeurs, l'insécurité, la multiplication des zones de non-droit. La police ne doit nullement combattre l'exercice des droits démocratiques de la population. Elle se doit en priorité de les protéger. C'est ça, rapport Fondation. J'éclairé sous journée ça. Pas oublier que chef police l'a déjà dit, c'est félicitations pour la police, pour ça qui passé. On nous a parlé de deux ingénieurs qui ont kidnappé, hein, choqués par l'enlèvement de 2 dirigeants de l'entreprise Gridco. L'association haïtienne des entreprises de construction demande dans une note aux autorités d'intervenir au plus vite en vue de libérer les 2 professionnels. Selon responsable association, 2 ingénieurs ont enlevé dans le bureau d'Elma 75 dans la matinée du lundi 16 novembre 2020 par un commando de 10 individus vêtus en uniforme de la PNH et qui identifiaient Tetio comme des agents de la DCPJ. La HEC s'était volontairement tue au cours des premières heures, dans l'unique but de ne pas influencer les négociations lancées par les ravisseurs et surtout pour protéger la vie des 2 ingénieurs. C'est sa note l'a indiqué. Plus loin, la note demande aux autorités concernées de bien vouloir prendre au plus vite les dispositions appropriées relevant de leur unique compétence en vue de permettre à des cadres d'entreprise professionnels de carrière de regagner leur foyer et continuer à vaquer à leur occupation. Mes amis, une bonne information gagnée, par exemple, et vol des corps du délit et pièces à conviction des magistrats du palais de justice de Port-au-Prince s'en lavent les mains. C'est ça un rapport RNDDH là-bas, RNDDH, qui exige une enquête minutieuse et la condamnation des coupables. C'est ce qui figure, entre autres, sur la page de couverture du dernier rapport de cet organisme de droit de la personne sur les vols de corps du délit et pièces à conviction au palais de justice de Port-au-Prince. Dans ce document d'une 20aine de pages rendu
yeux publics le 19 novembre 2020. Donc, OPI est parvenu à Renews. Le RNDDA signale dans ces dernières années, durant ces dernières années, plusieurs cas de disparition de corps du délit de pièces à conviction et même d'objets personnels saisis ou confisqués par la police judiciaire et transmis aux autorités de la justice ont été enregistrés dans la juridiction de première instance de Port-au-Prince en ce qui concerne le vol d'une partie du dossier relatif à l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval le 19 octobre dernier au palais de justice de la capitale. Le RNDDA dit constater que deux tiroirs d'un classeur métallique ont été défoncés alors qu'aucune trace d'effraction n'a été constatée à la porte du greffe des cabinets d'instruction. Le matériel défoncé contenait une enveloppe de 150 000 gourdes et 6 téléphones portables faisant partie du dossier de Maître Montferrier d'Orval. Traitant de l'organisation de la sécurité au palais de justice de Port-au-Prince, le RNDDA dit apprendre que le parquet compte à son service 8 agents de sécurité, dont 2 assurant la garde de nuit et 16 autres affectés au tribunal de première instance de Port-au-Prince, dont 1 est en poste la nuit. En plus de cela, 20 agents de la police nationale d'Haïti présents de jour comme de nuit complètent le corps de sécurité du palais de justice, poursuit l'organisme de droits humains. Pourtant, de 2018 à 2020, au moins 23 cas de vol et de tentatives de vol ont été enregistrés au palais de justice de la capitale, selon des chiffres recueillis par le RNDDH. Pablier, magistrat yo lave meyo nan question si la, comme si yo pa gagné gros responsabilité. Et puis, selon, merci, Gino 7, selon Gino 7, gon loi, et pour mesurer le progrès, la lutte contre la corruption et l'état de droit en Haïti, qui votée par le Congrès américain. Elle exige, cette loi, elle exige aussi le procès du massacre de la Saline, appelé initialement loi sur le développement d'Haïti, la responsabilité et l'initiative de la transparence internationale. La Chambre des représentants du Congrès américain, après un premier examen, a modifié le titre du projet de loi qui est désormais intitulé « Projet de loi visant à mesurer les progrès du redressement et les efforts déployés pour lutter contre la corruption, l'état de droit et la liberté des médias en Haïti ». Présenté devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre par le congressman Elliot Angel de New York, cette loi s'articule autour de 4 points. Les progrès du redressement après le séisme du 12 janvier 2010 et les efforts du développement, la lutte contre la corruption, l'état de droit et la liberté des médias en Haïti. Ce projet de loi vise à améliorer la stratégie d'aide étrangère des États-Unis à Haïti, a précisé Elliot Angel. Je suis fier de représenter une communauté d'Haïtiano-Américains à Brooklyn et dans le Queens, y compris Little Haïti à Brooklyn, qui est un district voisin représenté par la Congresswoman Yvette Clark. Ce mois de janvier a marqué le deuxième anniversaire du tremblement de terre catastrophique qui a tué, le dixième anniversaire qui a tué et provoqué le déplacement des centaines de milliers de personnes en Haïti. Depuis 2010, Haïti a traversé de nouvelles épreuves comme l'ouragan Matthew, des pénuries de carburant, l'insécurité alimentaire et maintenant la pandémie de coronavirus, a-t-il ajouté dans sa déclaration devant la Chambre des représentants. Ce projet de loi charge le département d'État d'entreprendre des initiatives spécifiques pour prioriser et évaluer la protection et la préservation des droits de l'homme en Haïti, la promotion des libertés de presse et de réunion et la protection des journalistes en Haïti, les efforts de lutte contre la corruption en Haïti, une stratégie de redressement et de développement post-désastre en Haïti, c'est ça nous lit dans le document ça. Cette loi exige au plus tard 180 jours après la date de promulgation que le secrétaire d'État en consultation avec les organisations non gouvernementales d'Haïti et des États-Unis soumette aux commissions du Congrès américain une évaluation détaillée
des événements survenus le 13 novembre 2018 à La Saline, un quartier de Port-au-Prince. Et puis, Dr. Yves Jambard et Lovensky, parrain mariage, moi, ancien directeur dans Radio Galaxy, et ben, dans la tourmente, puisque la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante sanctionnait, d'a dit lourdement Yves Jambard, la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante, a jugé Yves Jambard, président de la Fédération haïtienne de football et ancien membre de commission de la FIFA, coupable d'abus de pouvoir et d'agression sexuelle sur plusieurs joueuses, dont des mineurs, en violation du code d'éthique de la FIFA. Cette procédure s'insère dans le cadre d'une vaste enquête concernant M. Jambard et d'autres officiels de la Fédération identifiés comme ayant possiblement été impliqués en tant qu'auteurs principaux, complices ou instigateurs dans des actes d'abus sexuels systématiques envers des joueuses en 2014 et 2020. Les procédures concernant les autres officiels sont encore en cours. Dans sa décision, la Chambre de jugement a établi que M. Jambard avait enfreint l'article 23, protection de l'intégrité physique et mentale, l'article 25, abus de pouvoir du code d'éthique de la FIFA, et a prononcé à son encontre une interdiction à vie de toute activité liée au football, administratif, sportif et autres, au niveau national et international. Il devra en outre s'acquitter d'une amende d'un montant de 1 million de francs suisses. Vous connaissez la siège là, et 1 million de francs suisses, si on évalue environ 70 millions de gourdes haïtiens. La décision a été prise le 18 novembre 2020 et M. Jambard en a été notifié. Donc hier, date à laquelle l'interdiction entre en vigueur, conformément à l'article 78, alinéa 2 du code d'éthique de la FIFA, la décision motivée sera notifiée dans son intégralité à M. Jambard sous 60 jours. Elle sera ensuite publié sur legalfifa.com. Alors, Fondis, sanction est vraiment lourd contre Yves Jambard. Yves Jambard qui n'a pas compté rester là parce qu'il peut aller en appel devant et commission et arbitrale du sport, et parce que l'inié fait que ou accusé l'inié en bloc, d'autant que l'appuyé sous une décision que tribunal quoi des bouquets terrain la veille côté pour le blanchil d'abus sexuel que il était accusé, et donc tribunal là quoi des bouquets en ordonnance de clôture qu'elle terrain en date du lundi 16 novembre 2020 mais rendu public ce jeudi. Et alors jeudi dernier, il a stipulé qu'il n'y a pas lieu à suivre et contre le docteur Yves Jambard, et né le 30 octobre 1947, poursuivi pour abus sexuel sur mineur. Donc, il est mentionné dans le document ça qu'il n'y a ni charge ni indice retenu pour la mise en examen. Alors, par exemple, nous avons l'ambassade américaine qui dit que le regret et que justice haïtienne agit comme ça. Mais n'a dit, et nous tout le monde te connaît, devant le tribunal quoi des bouquets à Lovensky, pas de gain plainte qui t'est portée, et nous connaît la justice agit sous base de plainte, il n'y a pas de gain plainte. Et certainement, bah, qu'on aime supposer ou mener enquête tout. En tout cas, je pense que ça a lagué un vrai discrédit sous Yves Jambard qui, jusque-là, je pense qu'il était une carrière dédiée au sport et nous toujours pas jamais raté l'occasion pour nous dire sacrifice que citoyen ça a fait pour le sport. Et mais passer son fin de carrière qui pas honorable du tout naturellement, et nous pas n'a mené enquête, nous pas marché à dadou, nous pas comme ça dadou fait si accusation ouvre
vrai, eh ben, c'est normal, nous pas un passeport qui faut le payer pour yo, mais si dadou quoi effectivement qu'elle va gagner pour le voyage avec yo, eh ben nous encourager pour le continuer et continuer puisque alors elle me dit continuer, ça veut dire utiliser voie de recours que le gagnant pour le contester décision. Ça, c'est en son âme et conscience que le cas qu'on aime, nous-mêmes, nous mal placés pour nous dire oui, li fautif ou bien non, li pas fautif. Alors, c'est là que le continuer mener bataille. Li, si jamais, li croit que li pas coupable de ça, yo accusé là. Parce que, quand même, fini carrière dans condition ça, li pas fait honneur à tout ça côté mené, toute vie ou côté dédié au sport, tout sacrifice qu'on fait pour et oui, merci Johnita, li pas et fait honneur à réputation. Voilà, et merci, je crois que l'essentiel a été dit pour cette journée de ramasser et juste seulement avant d'aller napper et saluer départ on proche on zamino oui qui allait n'a parlé de Marie Venus Saint-Hilaire qui naît à Nice et funérailles Marie Anis Saint-Hilaire et à leur famille gagne immense douleur pour yo annoncer justement et fait décès de Marie Venus Saint-Hilaire née à Nice. Anis qui est survenu le 16 novembre 2020. L'été gagne 64 ans, cérémonie religieuse la fête lundi 23 novembre à partir de 5h30 du matin dans l'église Saint-Augustin de Mont-Lazare, suivi de l'inhumation au cimetière des routes et de la route des frères. Donc, c'est une dame, famille handicapée, était à jamais dans le cœur. Et en attendant annonce de CA, nous pas saluer les proches. Mario Saint-Hilaire, qui c'est petite Lee, Marie Ketli, Jean-Robert, Jean-Garry, sa sœur Lee, frère Lee, Mirland, Winnie, Saïla, Bettina, Jean-Richard, Revens, et Friendly Anis, donc tout le monde sait qui est vraiment affecté par la disparition de cette grande dame. Elle est une grande dame, une dame vénérée qui quitte nous pour l'Orient éternel. Cette grande et belle dame est Marie Venus Saint-Hilaire, née à Nice. Voilà, merci pour fidélité nous. Merci le fait que chaque samedi matin, ou ben nous attention pour ou suivre toute actualité avec nous. Et merci tout. Ak Mèt Sonè Saint-Louis pour ti Moussa pour 18 novembre. Jovenel Akjout fini à Haïti. Li mettant gang travail. Li pavle paye yo, gang yo mandé enragé, kidnappé touye. Tout ça, c'est dans mette kokourat chef. On mette force nous pour nous finir avec le régime criminel. Piage qui krasé et avili paye ya. Bataille la paka pacifique encore yo touye trop moun pour nous li mete heureusement Jean volé a fait moun yo habité kayo depuis 25 ans vente lan te passé kay notaire clairement dessous si te gen justice ak la police yo tap rele victime yo yon jou li déclaré a gang li mete moun yo dehors kayo kay sa nan rue Sorbonne numéro 10 li installé gang, moun yo nan la rue, Rosemon pren kay la, Rosemon pa konnen ke mse moun la gonav, etc. Donc, c'est comme ça, Mèt Sonè Saint-Louis dénoncé des ordres que pouvoir avec Rosemon Jean
a fait, li di Jovenel fini ak peyi a, li mete gang travay pou li, li pa peye yo, nou te sonje deklarasyon ti la pli, e gang sa yo mande enraje. Voilà, merci de votre fidélité à cet espace, merci à toutes amies sous live yo, ça nous passe saluer, Marie Termicia Duran, Gerline, La Violette, Sonny Louis, et nous saluer, nous toutes vraiment, et qui brancher chaque, parce que chaque jour, à l'exception du dimanche, mais tous les jours de la semaine à intersection, et le samedi à ramasser, merci Marc Charles, Kébela, nous toutes, nous là, après l'observons, courte pause, nous mettons ensemble avec pas virer bouton radio n'a pour rejoindre nous tout de suite après pour et avec panel émission ramassé matin m'espérer inviter ou soit déjà dans couloir ou bien yo dans route à venir parce que fait d'ailleurs le changer Jean-Emmanuel Boutis, Johnny Masla, Lipner Laurent et Janel Orest, Pierre Duvernay, merci et Clarelle Mérilien et Arveno Beaufort. Merci pour fidélité. Le a changé. Nous allons lever dans la cabane. Dégagez, nous arrivez vite pour nous démarrer, ramasser rapide. L'Ovens qui pas prend trop de temps avec pause là. Et puis, pas oublier. Yon et remerciement spécial à Lovensky jeudi et sénateur oui Likavini oui Likavini vous avez raison et pas oublier Lovensky jeudi ou Lovensky jeudi qui terrain nous un colossal service matin qui permet que nous pas mamoter trop puisque tout document est devant nous. Merci encore à Lovensky jeudi et n'a pas pose à Lovensky, n'a pas tourné tout à l'heure pour avec invité le dia.